dessinatrice de Mémac Ogilvy Labelle. Depuis toute petite, Céline était très sage et a été durant toute sa scolarité première de sa classe. Elle s'est toujours distinguée par son talent d'écriture. Elle a à ce titre eu son bac avec un 18 en philosophie. Elle a ensuite poursuivi ses études à Nice, où son père était alors consul général de Tunisie. Sexy, hein ? Sans diplôme en poche, et après une courte expérience professionnelle, très vite, elle décida de se mettre à son compte et monta avec deux de ses acolytes, Mohamed Ali Al-Rakbi et Mansouf Galletti, l'agence de publicité Label. En 2012, Céline Chlif et son équipe remportent le premier gold de l'histoire de la Tunisie au festival Cannes Lions pour la campagne Engagement citoyen. La 58e édition du festival marquera pour Ogilvy Mindshare un autre gold pour la campagne, 16 juin 2014, en tant que campagne de l'année. Céline Chlif a toute sa carrière formé toute une génération de publicitaires. Elle a présidé de 1999 à 2006 le SAPA, Chambre syndicale des agences de communication agréées au sein de l'UTICA. First of all, thank God for doing this for Céline. It's really nice, very nice of you. There are so many things Céline has added to our life and to our professional existence. I will never forget that she was the first person from Mémac Ogilvy to stand in Cannes and carry gold. Something not only did she make us in MENA very proud. So Céline, your mark, your legacy for this agency will go for a long time. Thank you for everything you've done. Thank you for your support, for your wisdom, for your tenacity. Thank you for your love for the agency. Thank you for the love of the advertising industry. Without you, our life would have been different. With you, we're better people. Salut Céline, comment ça va? Ça va bien, la question, ça roule. En même temps, il a quand même fallu quelques années pour se remettre des 327 pitch et demi qu'on a fait. Un petit mot un petit peu plus sérieux pour te dire que c'est probablement ce qui nous est arrivé de mieux dans notre carrière, que cette prise de risque, cet amour pour l'idée, c'est des trucs qui nous sont restés et qu'on fait à grande échelle aujourd'hui, après l'avoir appris à tes côtés, et on voudrait te remercier pour ça du fond du cœur. D'ailleurs, Khdemt, elle a fait la belle pendant 4 mois avec ses GV, je garde un très 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 bon souvenir. Là, elle m'a pas expulsé, elle est très forte. Ça te zargonne. Oui. J'ai plus de mots, je suis très émue. Merci beaucoup, Khan, pour ce film. Très émouvant et je suis très touchée parce que cette année, c'est 30 ans d'agence, la belle Ogilvy, sur le marché tunisien. 89-2019. Donc c'est 30 ans. On est l'agence la plus vieille, mais on est l'agence la plus jeune aussi. On est l'agence la plus vieille, mais l'agence la plus jeune, parce que en fait on a toutes les X années des gens qui partent et qui vont fleurir d'autres jardins. Et j'ai des enfants dans toutes les agences et j'ai pratiquement beaucoup d'annonceurs. Donc c'est ce qui m'a rendue le plus fière durant ces 30 années. J'ai juste un message, je saisis l'occasion du ministre à côté de moi. On est tous ici réunis, agence, nous servons des marques. Tout le temps, toute la journée, avec passion et avec ténacité. Il y a une marque qui, messieurs les créatifs, a besoin de nous cette année. La marque s'appelle Tunisie. Et j'invite, du haut de cette tribune, tous les créatifs à faire une campagne pro bono pour engager les jeunes à voter cette année. C'est une marque sans compétition, elle s'appelle Tunisie. Je lance la balle à mon collègue et ami Ahmed Barjou, président du SAPA, pour coordonner cette initiative. Nous avons besoin que nos jeunes aillent voter et nous sommes des publicitaires talentueux qui pouvons aller les faire voter. Ben justement, justement, il vient justement. Il y a un cadeau. Quelle émotion! C'est quoi ça? C'est un prêt que vous allez découvrir. Céline, merci beaucoup. Donc, au nom du SAPA, au nom de toutes les agences ici présentes, on ne pouvait pas rater l'occasion et t'offrir un cadeau symbolique.
tout ce que tu as fait. Pour la publicité en Tunisie, pour la Tunisie à l'étranger. Tu es une inspiration pour tous les jeunes. Ou Inch'Allah, pour longtemps. Voilà, elle va ouvrir le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. Chevaux. Chevaux.